L'enquête sur l'attentat de Boston, les procès d'opposants, la loi controversée sur les ONG ont été évoqués ce jeudi à Moscou lors de l'émission annuelle de questions-réponses de Vladimir Poutine avec ses concitoyens. Il n'y a rien de stalinien en Russie, a estimé le président russe. Concernant le double attentat de Boston, il a indiqué que cette tragédie devait pousser la Russie et les États-Unis à se rapprocher pour mettre un terme aux menaces du terrorisme. Vladimir Poutine a également souligné que la Russie était une des premières victimes du terrorisme international. Le président russe a également estimé que le double attentat de Boston légitimait la politique russe dans le Nord-Caucase. Les parents des deux frères Tsarnaev qui vivent au Daghestan souhaiteraient se rendre aux États-Unis. Selon un média russe, la mère risquerait cependant d'être arrêtée une fois sur place en raison d'un vol qu'elle aurait commis dans un magasin quand elle était sur le territoire américain. Le père, lui, dit vouloir se rendre en Amérique pour découvrir la vérité.